La culture RSE est totalement intégrée chez Gecina. Le secteur de l'immobilier est un secteur d'activité qui a un impact fort sur l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle nous repensons en profondeur nos pratiques, nos métiers, la façon dont nous rénovons nos immeubles et la façon dont nous les exploitons. En favorisant aussi une meilleure expérience utilisateur et nous participons ainsi à une ville plus durable. Aujourd'hui, cette culture RSE, elle est ancrée et unanime chez Gecina. Elle nous engage à prendre des décisions très forte et exigeante. Elle implique tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs chez Gecina, nos fournisseurs, mais aussi les clients, locataires de nos immeubles et tous les acteurs de la ville. Elle nous encourage à mieux concilier les fonctions urbaines et écologiques des territoires. Canopée 2030 pour Carbon Net Zero Plan 2030 est un projet de transformation majeur qui a été mis en place chez Gecina. Cette politique RSE est assez ambitieuse. Nous avons notamment anticipé de 20 ans notre objectif de décarbonation massive du parc en exploitation. Canop 2030, c'est notre grande ligne directrice. Cette culture RSE chez Gecina, elle se traduit par de nombreuses actions avec des politiques de réemploi très fortes sur nos chantiers. Par exemple, la réutilisation de blocs béton qu'on aura enlevé d'un voile pour créer une ouverture et qu'on va réutiliser sur ce même chantier. Donc on va faire travailler nos architectes sur la façon dont on peut réemployer ce béton pour éviter de faire venir une toupie, d'utiliser du sable ou de l'eau. Chez Gecina, nous avons mis en place une taxe carbone interne. C'est-à-dire que nous taxons les émissions de gaz à effet de serre de nos immeubles en exploitation, mais également de nos chantiers. Et cet argent, nous le récupérons et nous le remettons à disposition des collaborateurs pour les aider à financer des projets proposés par les collaborateurs. Nous avons monté un programme de recherche qui s'appelle BIG, Biodiversity Impulsion Group, pour définir collectivement, sectoriellement, ce que serait une empreinte biodiversité d'un projet immobilier. Et pour demain, il faut poursuivre nos efforts, performer, éviter toute forme de gaspillage, et continuer d'influencer.